Salut tout le monde, c'est Sandard et bienvenue sur la découverte de Forgive Me Father, un jeu sorti cette année 2022 développé par Byte Barrel. Et ça m'a été offert par, eh bien je ne sais plus qui. Voilà, quelqu'un m'a offert ce jeu, donc c'est parti. Il va y avoir des tentacules, on me dit. Alors j'ai pas configuré, on va aller directement. Le jeu est en facile de base. On va mettre normal. C'est facile par défaut. Langue, français, oscillation de... On s'en fout. Audio, non. Affichage, c'est bien. Graphisme, c'est cool. Graphisme. Bon, de base, c'est en épique. Je sens que ça pique. Je sens que ça chauffe. Je verrai. Les commandes. Alors, les commandes par défaut. Avancer, reculer, sauter. Non. Sauter, interagir, attaque, compétence, arme précédente. Ouais. Est-ce qu'on peut se baisser dans ce jeu? Apparemment, non. QRFG. T'es sûr de ça? QRFG. Bon, on verra bien. Est-ce que ça a sauvegardé? Ouais, ça a sauvegardé. Donc là, je fais ça. C'est vrai que ça n'a pas sauvegardé. Sauter, oui, non, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir y aller. C'est parti. Salut Saint-Frateur. Et salut Taquan. Et salut The Lord Omega. On fait une nouvelle partie. Personnage prêtre. Le prêtre est résolu à vaincre le mal. Ses capacités plus contextuelles. Hop, hop, hop. Merci Trion pour le resub. Donc le son est trop fort. Le son des alertes. Je vais baisser ça avant de démarrer. Aïe 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 aïe. Pour ça il va falloir que je change. On va y aller, on va y aller. Ne vous inquiétez pas, ça va démarrer dans peu de temps. Je suis obligé de revenir au bureau pour baisser le son du machin bidule. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Trion, pour le 10e mois. Donc, on est reparti. Non, non, pas VOD foutu. Non, 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 non. On a bien config. Forgive me, Father. On est barzi. Nouvelle partie. Donc je disais, le prêtre, ses capacités plus contextuelles sont axées sur un style de jeu lent et défensif, tandis que la journaliste est une professionnelle en quête de vérité. Ses capacités plus rapides à lancer, encourage un style de jeu vif et agressif. Ha. Que choisir? Que choisir? J'ai envie de prendre la journaliste. Difficulté normale, effet de folie par défaut. Qu'est-ce qu'on fait sur le chat? Journaliste ou prêtre? Journaliste ou prêtre? Ouais, ça colle plus à mon style de jeu. Hein. Ouais, go la journaliste. Allez! Maintenez ce pour passer. Non, non. Le jeu est en français. He asked for your arrival. Chaotic contents of the letter. Missing people, panic, strange voices. Cousin Louis' request for help could not remain unanswered. You set off for your hometown without hesitation. To the town of Pestisville. Pestisville. You got there soon enough. You noticed that the locals were quick to leave this place. You felt observed. This is where you were supposed to meet your cousin. However, the room was empty.
While searching for information on your cousin's whereabouts, you heard a strange sound of footsteps in the corridor. After a while, there was a knock on the door. Ce qui veut dire en français, on ne sait pas. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à Darkest Dungeon, que j'ai pas fait non plus. Bien, il s'agit d'un FPS. Je peux pas avancer. Oh non, faut mettre le clavier en Ok, faut mettre le clavier en américain. Très bien. Nouvelle arme. Vous avez un pistolet. Tirez en appuyant sur left mouse button. Vous pouvez changer d'arme avec la molette de la souris ou les touches numériques. La plupart des armes consomment des munitions. Visez bien. Dubious cases need firm methods. Par contre, c'est vachement rapide. Et là, le fauve, il a combien, là? 60? C'est quoi, c'est l'histoire? Louis Martin, antiquaire, Maroon Street, 34, Pestisville, Massachusetts. Ah, ok, c'est sa carte de visite. Alors non, ce n'est pas un mode de Doom 2. Histoire. Ah mais histoire en grand, quoi. Histoire. Hé, il y a du lore. Oh, il y a de l'histoire, là. Bon, allez, l'histoire. Dormants. Who are they? J'adore le style graphique. Il est marqué quoi, là? Dormant. Dormants. Fallen Aces? Ah oui, mais c'est la journaliste qui parle. Cher Monsieur Martin. Donc si je mets ma cam, évidemment. Eh ouais. Cher Monsieur Martin, les circonstances m'ont contraint à prendre des mesures radicales. Par chance, elles ont rendu la parole au vieux Murphy. Il nous faut une autre consultation de votre part pour comprendre quoi que ce soit à son verbiage. Verblage. Non, verbiage. Venez donc à l'hôpital dès que possible. J'en ai également avisé le shérif, Dr Sullivan. Louis, mon oncle, je suis absent. Vous savez où me trouver. Ah, il faut trouver ce Louis. Oh, ce flingue. Regardez ce flingue. Est-ce que j'ai d'autres armes? Oui. J'ai un coupe-enveloppe. Oh, quoi? Sérieux? Waouh! Oh, ça claque. Oh, ce souci du détail. Waouh! Éveil, porte, retour, jour, nouveau. Bonsoir Dreadoom, bonsoir Monsieur Tripwood. Excellent jeu, ça va te plaire. Oui, alors on cherche toujours la personne qui m'a offert ce jeu. Que je voulais citer et j'ai oublié qui c'était, donc désolé. Obélisque de pierre, notre manuscrit, 6e siècle, Snuffler Island. Collier en bois, notre manuscrit, poignée de dague rituelle, notre manuscrit, habit de cérémonie, notre manuscrit, bracelet en or. Cher Louis, je me suis renseigné sur le symbole qui attire votre intérêt. Venez donc chez moi à Providence parcourir les nombreux matériaux que j'ai rassemblés et qui ont causé une certaine fébrilité chez mes collègues. Je peux d'ores et déjà vous dévoiler qu'il est ici question d'une rune magique antérieure à toute civilisation connue. Le prof I. Jones... Institut archéologique de Providence. J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Ainsi qu'Anne et les enfants. Ça se dit ça? J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. C'est Trion qui m'a offert le jeu! Voilà! Merci, Trion! Et qui a sub juste au début. Voilà, c'est pour ça. Attendez, mais il y a quelqu'un qui... Il y a vraiment quelqu'un qui frappe à la porte, là? Pourquoi il n'y a pas de son? Wow! Headshot! Est-ce que je peux viser? Non, d'accord. Bon, on tire à la tête. En haut à droite de l'écran, la jauge de folie se remplit en éliminant des ennemis et en buvant de l'alcool dans le jeu. C'est précisé! Plus la folie est élevée, plus vous infligez des dégâts et moins vous en subissez des ennemis. Très bien. C'est traduit au couteau. D'accord. Ouais, formule de politesse bizarre. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes?
Eh, par contre, le fauve, je vais gerber. Excusez-moi, hein. Toutes mes excuses aux puristes. Mais je sais qu'on peut. Je sais qu'on peut. On va mettre à... Allez, on va mettre à 100. Ouais, je vais mieux. Je vais mieux. Là, je m'aperçois qu'il y a un plafond, par exemple. Il y a même un petit trou, là. On s'en fout. Allez, go! On peut pas ouvrir les portes, rien, d'accord. Oh, c'est de la 2D en fait. Who the hell were they? Pi pi pi. They didn't look like normal thugs. Ah bah non, c'était des zombies, mademoiselle. Oh, c'est le journaliste. Il est 10h12. Il est 10h12. Bon, allez, avance. Headshot. Oh, calme-toi. Il vous faut la clé rouge. Ok, ça va, faut pas le crier. L'histoire. Conte des profondeurs, volume 1. Délirante affaire, frissonner le plus vieux loup de mer. Peu et haut, le chasseur de sirènes, autant on emporte la vague. Et le seigneur des eaux. C'est une grande histoire, mais ce n'est pas mon truc. Il va faire des commentaires. Histoire. Nous recrutons des pêcheurs pour travailler sur les bateaux qui traversent le golfe du Maine. Courant, printemps, été, 4 dollars par trajet. Les étrangers se verront offrir le logis. Recrutement jusqu'au 17 mars sur le quai de Pestesville. Redrum. Ça veut dire Murder à l'envers. Sans déconner. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un arbre de compétences. J'ai 0 points disponibles. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand les armes à feu sont impuissantes, le coup de couteau font merveille. Pratique pour conserver ses munitions et achever les cadavéreux. Ouais, on verra ça plus tard. Hein. Allez, retour à l'action. Vous visez, Billy. Comment elle s'appelle la journaliste? Parce qu'elle a un nom. C'est la journaliste. Oh, il a un sac à main en forme de tête. Oh merde! Deux coups. Oh là là, mais les traces de sang sur les murs. C'est super beau. Par contre, le grain là, je j'aime pas. La marmonaration. C'est Élise Lucet. Voilà, je récupère la clé rouge. Là, il y a encore un bout d'histoire par terre. Oh la vache. Monsieur le maire Montmiel, Mahoney, le révérend Wiltshire et 15 autres habitants ont disparu ces dernières semaines à Halflings County. Le bureau du shérif n'a toujours désigné aucun suspect dans cette affaire, alors que de plus en plus de personnes font les frais d'un mystérieux assaillant. Les habitants soupçonnent que la bête de Pestisville s'est installée dans la forêt avoisinante où elle traque humains et bétail. Elle ressemble à un dragon à trois têtes ou à un lion de mer. Les témoignages divergent sensiblement. Qui percevra le mystère? La bête de Pestisville. C'est quoi la date? 1926. Ouais, j'aime beaucoup la DA, ouais. C'est sympa, mais bon, pour l'instant, il y a 3 zombies, une clé, une porte. Génial. Elle est où la porte? Elle est là. Ah. Baril boom! Il y a des barils boom. Oh, oh, oh! Oh! Je me suis fait dessus. Le... Le magnifique shotgun. Et la clé bleue. Et la porte. Bon, par contre, on va se calmer avec cette... On va la garder pour plus tard. Contre les gros, les grosses bestioles. What? Excellent. Watch your back, kid. Il y a un bout de cerveau.
Ok. Regarde derrière toi. J'aime pas le grain. On peut enlever le grain ou pas? Attends, c'était quoi ça? Synchro? Ouais. Graphisme. Bloom. Pellicule. Ah, c'est mieux là! Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère. Ce sera mieux pour le stream. Voilà, watch your back. Wow! Quelle action! Salut Billy! Bon, j'ai mis le jeu en normal. Ok, très bien. Salut papy. Appuyez sur... Ah, c'est la sauvegarde! Maintenir pour menu de sauvegarde. Maintenons. Voilà. Partez sauvegarder. Ok, très bien. Bon, bah c'est sympa. Munitions. Benjamin Mahoney, Charles Maxwell, Anthony Kaminsky, Thomas Jefferson, le révérend Wilshire, Ted Anderson, Charlie Edwards et Andy Milky Way. Ah merde, j'ai pas remis le... Hop, 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 hyper, hop, hop, hop. Oh, y a du monde. Allez, venez, venez, baril. Ça a l'air bien difficile hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est tranquille. Est-ce que je peux tirer sur la tête en premier? Non. Yeah oh. Easy way. I think he sniffed something out. Ok. On va aller par là. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs embranchements. Oh non. Oh le pied. C'est qui lui? Bon, on va aller par là. Ouais, ça me semble un peu... Ça me semble louche. Oula, il y a de la drogue là. Quoi? C'est ça le mode Fury? Ok. Non, non, fallait pas prendre la version facile. C'était un piège. On se balade là. On se balade plus. Rien, je comprends pas le jeu. C'est DA, l'ambiance Lovecraft et la musique, pur plaisir. Par contre, ça rame, non? Chez moi, c'est hyper fluide et chez vous, c'est pas méga fluide. I had to get poisoned. In this kind of place, it's quite easy. Non? Sur le pour moi, le retour, c'est en 30 fps, 20 fps et encore. Une histoire de sataniste, culte... La flashlight. Vous venez de ramasser une lampe torche, votre première compétence gratuite, pour l'utiliser afin d'illuminer les ténèbres. Maintenez right mouse button, rappelez-vous. Vous ne pouvez pas vous éclairer tout en maniant une arme. Ça, j'aime bien. Comme dans Doom 3. Oh ouais, c'est cool. C'est cool, ça rame à fond. C'est tout à fait correct. Non, mais est-ce que c'est fluide genre 60 fps ou ça rame? Parce que si ça rame, non, non, non. Il faut que ça soit parfait comme chez moi. Pas juste, non, ça va, on comprend ce qui se passe. Pou,
te mettre en normal, non? En facile. Bouge pas, bouge pas. Je dirais 43 FPS. Salut, H. Tintin. Oh ouais, non, attends. Option. Affichage. Je suis désolé, mais non. FPS fixe. On va mettre en... De toute façon, mais... La qualité... Ça va changer quoi? Ça rame. Ah non, c'est immonde. C'était pire quand il y avait le grain, j'imagine. Il y a un squelette à terre. Yeah. Plus bien pour me direct là. Et le plus dernier. Terminer le niveau, voilà. Total des victimes, 86 sur 121. Est-ce qu'il y a des secrets? Oui, secret débloqué, 0. Bon, voilà. C'est vrai que ça saccade un peu des fois. Ça saccade très légèrement et pas souvent, donc ça va. Ah, mais chez moi, c'est l'enfer. Bien, c'était le premier niveau. Ah d'accord, il n'y a pas de cinématique. Oh non, mais regardez ça! Vous allez pas me dire que c'est fluide, là. Affichage. Et si je fais comme ça, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Laissez-moi tester un truc. Ajouter capture de... Peut-être que capture de fenêtre, ça fonctionnerait un peu mieux. Ouais, j'en doute. Bien, qu'est-ce que ça donne ça? Ah! Voilà! Là c'est correct! Là on y est! Là on a... D'accord. Bon bah voilà! Là on est bien! C'est qui lui? On dirait le méchant de la série animée Spider-Man de 67, premier épisode, saison 2. Vous pouvez vérifier. C'est quoi ton histoire? Le Benjamin Mayonnaise. Mayonnaise. J'ai mis capture de fenêtre plutôt que capture d'écran. Voilà, donc c'est mieux. Bon, attention, le méchant il s'appelle Mayonnaise. Oh! Pas de fiche! Le gros poisson. Quoi ça? C'est un boss? What's waiting for me outside? Il a perdu son chapeau. Bien. Merci Limbo. Merci pour le Prime. The best way to reach the cinquième mois. Is by the docks. Le mieux pour atteindre l'hôpital est d'emprunter les quais. Is by the docks.
Edward Bradley, Charles Kaufman. Charles Kaufman. Louis Martin, 79. Je sais pas si ça a une importance ou quoi. Oh là là. La congrégation vêtue d'habits rituels créera une forme de sablier mesurant le temps avant le grand... J'ai rien compris. L'autel sera placé en plein centre. Avant de sacrifier un bouvillon au summum de sa fertilité... C'est quoi un bouvillon? Celui-ci devra être soumis à des actes visant à tempérer sa masculinité. Hein, ça je comprends. Contraint de se soumettre aux forces immémoriales, les dix actes comprennent arrachage des cornes, soumission physique, castration, soumission de l'espèce, condamnation, soumission mentale, le sacrifice ainsi préparé. Et la suite, non. La suite, c'est la gerbe. Il est toujours 10h12 dans ce monde. Le jardin. Baril ! Boum ! C'est super beau. C'est super beau. J'ai envie de m'y attarder un peu. Il y a une pelle. Quoi ? Qui ? Ces effets d'ombre. Mais regardez ça ! C'est sublime. These monsters are barrels too? Oui. C'est moi le streamer, c'est pas toi, ferme. C'est ce que j'allais dire. Les habitants ont l'interdiction de quitter leur domicile après le crépuscule. Toute situation préoccupante doit être immédiatement signalée au bureau du shérif sous peine de poursuite. Connor Welsh, maire suppléant de Pastisville. Elle fait les commentaires à ma place. C'est quoi ça? C'est un ennemi? Nul. Comment ça tique? J'ai plus de munitions déjà. Double headshot. I wonder what's hiding in that mysterious fog. Moi aussi. Merde. Bon, allez, corps à corps. Gain de niveau. Point d'amélioration disponible. 1. Eh ben, faisons ça. Voyons voir. Des couteaux de poche conçus pour les concours de... Fou, raconte pas ta vie. 2 fois plus de canons. 2 fois... Ouais, non. Ça. Une arme à feu prise en otage par une entité. Voilà. Ça me plaît. À l'origine incertaine, elle dévore les munitions. Elle dévore les munitions et excrète de la douleur. Ne cherchez pas en ça. Ouais, d'accord. Bon, bah, ok. Tir rebondissant pour t'augmenter. Allez, vas-y. Je prends ça. Maintenir R to restart. Ah, on peut reboot son arbre de compétences. Ok, d'accord. Waouh! C'est quoi cette arme? Elle fait plus bobo. Voilà. Par contre, on va se calmer. Je peux plus prendre mon flingue de base? Oh, oh, oh! Est-ce qu'il y a? T'as plus de jambes? Voilà. Je peux plus reprendre mon arme de base, apparemment. Bonsoir Wonder, bonsoir Pseudowin. Par contre, j'ai fumé Cultic, j'ai pas encore testé Cultic. Et j'ai Sedako ou Sakoda ou Sadako, un truc comme ça, à tester aussi. Allez, on fonce. Le liquidator. Oh, cette cabine. Référence à Doctor Who. Ok. Voilà, le liquidator. Est-ce qu'on peut rentrer dans la cabine? Non.
Ce mélange de 2D, 3D, parfait. Par contre, c'est un peu sombre. Ah mais, la flashlight ! Évidemment. Pourquoi il n'y a rien ? Lately, there had to be fresh delivery from the south. What's so special about this rock? Qu'est-ce que ce caillou a de si spécial? Y'a pas une autre arme un peu? Ouais, voilà. Oh bah c'est parfait. On peut tuer tout le monde en un coup apparemment. Ah, par contre vise mieux. Ouais. Splash ! Quoi ? J'ai pété son casque. Quoi ? Oh là 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 là, d'accord. Sauvegarde. Servez-vous. Servez-vous, c'est gratuit. J'aurais dû attendre un peu, je crois. La musique est super forte. Non ? Mais vise! Oh merde! Voilà! Allez, vas-y, allez, vu que c'est! Encore, encore plus. La clé rouge. Voilà. Le chien du revolver en forme de Cthulhu. C'est la cause, c'est de la sorcellerie de faire un jeu pareil sur GZ Doom. La seule chose que j'ai vue de C'est la cause, c'est qu'on pouvait lancer des liasses de papier. Voilà, et j'ai fait waouh! Des gros blocs de papier. Secret trouvé! Armure. Et terminer le niveau. Bon, bah au moins j'ai trouvé un secret. C'est court! Les niveaux sont super courts. Total de victimes. Tout le monde est mort. Tonneau détruit 3-3. Scénario en cours 7-8. J'ai raté un morceau du scénario. Non, non, ça c'est pas GZ Doom. Enfin, je crois pas. Si ? Non, non, c'est Selaco qui est sur GZ Doom. Pêchons ensemble la gloire du Seigneur de l'éternité. Non. Je m'attarde pas assez en fait. J'ai peur que le jeu soit trop court. Vous venez d'obtenir les herbes, votre compétence suivante. Fumez-les pour faire apparaître une épée magique maudite. Chaque coup soigne vos blessures et inflige d'énormes dégâts. Pendant ce massacre, vous subissez moins de dégâts. L'utilisation des herbes coûte des points de folie. Le chiffre en regard de l'icône de compétence. Il y a trop d'infos! L'icône de compétence indique le nombre d'utilisations restantes. Chaque compétence coûtant des points
est en effet limité en utilisation, mais vous les regagnerez au fil des combats en augmentant votre niveau de folie. Une compétence est affectée à la touche indiquée sur son icône. Donc, Q, R, F, G. Q, c'est je sais pas quoi. R, c'est un appareil photo. F, c'est je sais pas quoi. Et J, c'est des clopes. Ouais. D'accord. On verra ça plus tard. Plus tard, on a dit. Il y a un liquidateur quelque part. Je sais pas où il est. Wow! Casse-toi! Casse-toi! Ils sont collants, hein. Oh, y a trop d'effets là. Trop de shader. Attendez, je lis l'histoire. Aiden McDonald, disparu. Aiden McDonald. Merde, je l'ai pas vu lui. Attends, parce que... Graphisme. Bloom. Non. Ça donne quoi sans le Bloom? C'est mieux, non? Mangé par Ronald. Ouais, c'est carrément mieux. Ouais. La clé jaune est juste derrière le grillage. Barre-toi. J'aurais dû laisser en passif par défaut. Je sens que je vais le regretter, ça. J'ai même pas le temps de voir leur gueule. D'accord, d'accord, ça se réveille. Là. Il y a un bout d'histoire par terre. La loi est morte, c'est un flic. Better take a look around. Faut la clé rouge. J'ai plus de munitions. Mal à viser, what the fuck? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça sort de partout. Ferme-la. Parle-moi. Plus d'action.
Exagéré. Salut! Nouvelle arme. More weapons. Now we're talking. Salut Boulder. Les animations fonctionnent pas? Comment ça? Si. Qui est cette personne? Chez moi ça fonctionne? Tiens, Boulder a fait Kirby, ça n'a pas fonctionné. Ah, là ça a fonctionné. Le Link a fonctionné. Ah bah désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Salut. Ça marche. Salut Karims. Thank you, sir. Very cool. Très aimable. Salut. C'est bizarre que c'est pas passé. Il vous faut la clé bleue. I'll pretend I didn't see that. On n'est pas sur Brutal Doom. Hein. Encore toi. Da-da-dum. Merci Karims. Merci beaucoup pour le Prime. 8e mois. London, l'oreille de Londres, vague de crise épileptique, hôpitaux totalement dépassés, l'océan a inondé la ville de Brooklyn, et pourquoi je lis ça au fait? Un séisme démolit la maison pontificale. C'est juste des références à Lovecraft, que je connais très très mal, c'est pour ça que j'en parle pas d'ailleurs. Comme tous ceux qui en parlent d'ailleurs, hein, attention. Hein. Salut! C'est la discothèque ici. Je peux reprendre le combat. Est-ce qu'il y a des chauves-souris dans ce jeu? J'ai mis la musique! Je savais que c'était une discothèque. Bon allez, calme-toi là. Ah, je vous attends là. Eh mais attends, j'avais pas une nouvelle arme. Celle-là. Ouais. Qui veut des boulettes en spray? Oh là là, par contre, c'est... Eh, j'arrive pas, hein. Il faut augmenter la précision de ses armes. D'ailleurs, attendez, ne bougez pas les zombies, je vais faire un truc. Une lampe torche améliorée pour voir mieux et plus loin. Non. Fumez-les pour faire apparaître une épée magique. Ah oui! Je veux ça. Chaque coup sonne vos blessures et inflige d'énormes dégâts pendant ce massacre, vous subissez moins de dégâts. Je peux améliorer le spliff. Il a de la gueule, il fait des ravages et vous allez pouvoir l'utiliser. Vitesse de tir augmentée conserve sa précision. Conserve? Alors non, du coup non. Améliore, oui, mais non. Et ça? Vos poches ne peuvent contenir que quelques munitions. Mieux vaut prévoir une sacoche. Vous gagnez plus vite de l'expérience en tuant des ennemis. Hop. Je prends ça. Je suis impatient. C'est de l'assaut, je sais... Non, c'est ce que je veux... Y'a plus de musique. Oh là 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 là.
Oh la précision. Oh la précision de nul. Oh la précision. Mais c'est pas possible. Adieu. Oh mais quel gros nul quoi. Une clé. La clé bleue. J'adore. J'adore, j'adore. Bon là c'est parce que je suis en stream. Sinon si je jouais de mon côté, je serais là à regarder tous les détails et tout, mais. Faut avancer. Ah ouais, super. Pas par ici. Non, c'est pas Doom, y a pas de carte. Y a pas de carte. Secret débloqué 0 sur 1. Ok. On peut voir les stats en appuyant sur échappe. Bon bah ok. Non mais j'avais lu ça. Je dois retourner par là. Tu possèdes déjà le spliff? Ouais. Ouais, c'est cul. J'ai oublié d'utiliser. Et donc, je dois utiliser l'arme au corps à corps quand j'utilise ça. Un petit bisou au papy. J'ai quoi comme clé? J'ai pas de clé. Là, c'était la grille, donc je peux rien faire. Ouais! Ferme-la, là. Santé! Lui laisse tomber quoi. Encore de l'histoire. Les émanations de poissons de l'usine avoisinante importunent les habitants. En tant que maire, je m'engage en premier lieu à effectuer une inspection. Il est temps de prendre en main l'avenir de cette petite ville. Voilà des générations que Pestisville est gangrénée par la domination des Mahoney. Les élections qui se profilent pourraient changer. Exploser les ballons. Property damage. Je savais qu'elle allait dire quelque chose. J'ai cru qu'elle allait dire « Let's party » ou une connerie comme ça. Attention, c'est reparti. Streamerbot a cessé de fonctionner. Voilà, j'ai un message d'erreur en plein milieu de l'écran. 2 secondes, je règle ça. Je redémarre Streamerbot. Voilà. Arrête de planter maintenant. Connerie de programme. Cargaison crevette marinée numéro 67472. Blue Squid. Y'a plus d'ennemis. Y'avait un petit rat là. J'aime pas le feeling FPS de ce jeu.
Mais bon, j'imagine que c'est parce que je dois améliorer mes armes. Ça ira mieux après. Et là, je galère à tirer sur ces cons là. Butcher. Gain de niveau. Oh merde, les barils. Les barils vivants. Ouais, je crois qu'il est temps de fumer. Hein. Là j'en peux plus. Allez, go! C'est parti! Donc, j'ai une épée magique. Plus rien ne m'arrête. Et ça dure pas longtemps. Et j'ai récupéré de l'énergie. Et j'ai coupé la musique. Oh merde. Coucher. Ouh, j'ai une sale tête. J'ai une sale tête là. Ça va pas, ça va plus. Mais comment tu fais pour jouer à ça sans viseur? C'est impossible. Tu peux pas jouer à ça sans viseur. Battre le pavé. Terminer le niveau. Attends. Trop vite là. Pas trop vite. Voyons voir les stats. Il n'y a pas le nombre d'ennemis restants. Voilà, secret trouvé, ça valait le coup. Non mais sérieux. Je me déteste quand je suis comme ça. Il y a un ballon rouge. La référence. Pas très Lovecraftien tout ça. Bon, alors la fin du stage, c'est là. C'est ici. Est-ce que tu peux tirer d'abord sur les têtes que les... Non. Non, j'ai déjà essayé. Ça ne fait rien du tout. Cargaison de maïs, transport, blue squad, squid. Praise the night. Night. Il est marqué night. Le prochain que je vois avec... Prochain que je vois qu'une tête, je tire sur la tête. S'il porte une tête. De loin, je crois que c'était un vieux maître chinois. Aïe. Ne pas paniquer. Voilà, là, lui, il a une tête. Voilà, ça marche pas. Il me tape avec. Mais arrête!
Le recul. Le recul incroyable. Première mort. Première mort. Jouer depuis le point de contrôle. Eh mais c'est les hommes poissons de Castlevania, ça. Casse-toi, casse-toi. Boum. Don't panic. Slow and steady. Whoa, 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 whoa. Do you know about war safety? Non, mais là. C'était pas sûr de toucher, tire pas. C'était très nul ça. Boom. On ne peut pas améliorer la précision de ce pistolet là. Conserve la précision. Et ça, on peut pas regarder. Ok. Vitesse de tir doublée. Tir moins précis, non? Non, 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 non. C'est quoi ça? Ah oui, plus d'expérience. Je prends ça. C'est ce qu'on doit prendre en priorité en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas toi. Oh! Qu'est-ce donc? Vous venez de récupérer l'appareil photo, une autre compétence de votre arsenal qui immobilise temporairement tous les ennemis près de vous. Cette compétence coûte également des points gagnés par la folie. Une compétence est affectée à la touche indiquée sur son icône. Ok, la touche R. L'appareil photo. Très bien. On essaye ça? Bah attends, j'en ai pas. Je t'invoque au Seigneur, prends place sur le trône d'or, je t'invoque au Seigneur, règne indivisible, et ne me laisse jamais seul, nourris-moi au Seigneur, réveille-toi, blablabla, le Seigneur. C'est pas l'heure. Mais non, c'est... ferme-la. Ça, c'est bien visé. Chercher la petite bête. Toujours chercher la petite bête. Ouais. Quoi, y a rien? Y a vraiment rien. C'est bizarre ça. Par contre, j'étais là-haut. Je peux pas retourner là-haut. Bon, et ici. Il est pas là, papy sauvegarde. Mais regarde où tu marches. Ok. Non, pas par là. Secret trouvé. Je suis trop balèze. Attention parce que là... Parfois il y a des effets bizarres, je sais pas à quoi ça sert. J'ai la vision qui se brouille, genre là. C'est normal, je m'en sors, y a pas de soucis. Non.
Pourquoi j'ai la vision brouillée là? C'est pas pratique. Qu'est-ce qu'il veut lui? Gain de niveau. Allez, on se fait plaisir. Cette pompe. Ce pompe. C'est le spliff qui fait ça? Non. Mais non, c'est pour avoir les... la fameuse épée. Et là, fin du niveau. C'est tout ce que je reproche au jeu pour l'instant, c'est que les niveaux sont super courts. Ici! Non. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Ok. Oh merde. Attends, j'ai plus de... j'ai plus d'autres armes. Mais si. C'était peut-être un peu trop pour lui. On verra ça plus tard. Merde, t'es pas mort, toi. Boum. Boum, chakalaka, boum. Salut. Do you know about war safety? Bon, j'ai récupéré la clé rouge. Ok, la porte rouge, la porte rouge, la porte rouge. Voilà, j'aurais pas dû péter les barils. Rien du tout. C'est un secret ça. Non, non, je voulais pas fumer mon... pas tout de suite, je me suis trompé. J'ai essayé de m'abaisser en fait, mais c'est l'habitude. C'est l'habitude, quel con. Là. J'espère que c'est bien par ici. Quoi? Putain, mais comment ça gueule ça? Ah, mais le boucan, les barils. Que se passe-t-il ici? C'est trop calme. Simuler la folie qui est normalement inspirée par l'univers Lovecraftien. Dans cet univers, tu es censé évoluer dans un monde d'illusions, d'hallucinations, mais aussi de réalités horrifiques sans jamais savoir qui, ce qui est vrai ou non. J'ai jamais lu Lovecraft. Tout ce que je connais de Lovecraft, c'est un... un documentaire sur sa vie qui est passé sur Arte il y a quelque temps. I won't miss you. Tu ne vas pas me manquer. Salut. Ah, des couloirs sombres et inquiétants. Mais faut tirer dessus.
Faut pas s'échapper de ça, faut tirer dessus direct. I wish wounds didn't exist. Chut. Hey, salut, je t'avais pas vu, ça va? C'est quoi, c'est qui a la ref? Oh putain. J'ai cru voir un gros minet. Qui a la ref de ça? Personne. Salut. Tiens, tiens, tiens. Litige-feu. C'est hippique Toulouse. Alors là, j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Psychic Reader. Une discothèque pas loin. Ah oui. Ah d'accord. On dirait des bouts de carton en fait. Boum! On va pas oublier quelque chose ici. Le son du jeu qui a baissé d'un coup, je sais pas pourquoi. Je suis méfiant maintenant. Il m'a tiré dessus alors qu'il était déjà mort. Merde! C'est la mort! N'importe quoi. L'histoire. C'est parce que j'avais oublié ça, c'est pour ça que je suis mort, il y a toujours une raison. La tragédie du Titanic, iceberg ou conspiration des alcooliers. C'est la première fois que je lis ce mot. Les alcooliers, ça se dit. Merde. Pardonnez-moi car je suis nul. Qui est vivant parmi vous? Lui. Faut des coups. Y a rien. One swig can't hurt, right? Oh merde, je voulais me baisser encore une fois, mais on peut pas se baisser dans ce jeu. Allez, profitons-en. Cadeau de Noël de la paroisse, Mahonnais augmente les subventions municipales.
Et quelle heure il est? Il est toujours la même heure. Il a un béret vert. Les vêtements qui pendent. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que... J'ai appuyé une touche. Qu'il fallait pas. Oh, le labyrinthe! Bon, je viens de là, ok. Les poissons, salut. Bon, cette arme, j'aime pas. D'accord! Non mais... Il faut que j'assigne des boutons autrement, là. Donc là, c'est la touche R. Que j'utilise pour recharger, d'habitude. Allez, prochaine fois, je teste. Armure. Dès que je vois un ennemi, je teste. Par contre, là, je sais pas où aller. Où c'est que je vais, là? Là? Merde, mais quel con! Bon bah j'en ai plus, voilà. Ouais. Elle est où la suite? Là. Ici, elle est la suite. Il y a même des flèches. Collection de poissons. J'ai encore failli me baisser. C'est chaud là. Et je suis hyper content de te voir. Par contre, attends. Merde. On est bien ce niveau. Là, il y a un truc. Sont pas frais. Et je suis de retour sur les toits. I don't like where this is going. Non, moi non plus. Mec, quand faut y aller, faut y aller. Do it. On est parti, let's go. Moi je joue comme ça moi. C'est comme ça que je tire. Merde, je l'ai raté. Fin du jeu. Voilà. Terminé. C'est la fin du jeu. C'est chaud, là. C'est chaud. D'abord, s'occuper des gros. I don't like where this is going. Yeah.
Poto, on bouge plus. Oh, on n'a pas de grenade. Donnez-moi une grenade. Comme un bouffon de champagne. Merde. Do I have everybody's attention now? C'est terminé. C'est bon, tout le monde m'a remarqué. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'es en retard. La fête est terminée, casse-toi. C'est très joli. Et je suis sûr qu'avec le bloom, c'est dégueulasse. Sérieux? Un petit peu trop, si on pouvait le régler à la limite, mais là non. Ah non, faut pas déconner. C'est quoi ce soleil, un rond blanc? Non, c'est pas fini. Resurgence. And deer antlers. Il remonte sa baguette. Munitions, munitions. Terminer le niveau. Bien. En 18 minutes. Là, c'était long. Bon, bah pour l'instant, c'est joli. C'est sympa. C'est original. C'est un petit peu mou, par contre. Mais bon, on verra la suite de cet excellent jeu. Merci encore Trion de me l'avoir offert. Forgive me, Father. Et on va faire une petite pause.